Alors Pascal, cette première station dans les glaces, comment ça se déroule? Bah, on a des très très bonnes conditions météo là, on a très peu de houle, le vent est un petit peu tombé et quand on s'active, de toute façon, on a chaud. L'eau a l'air d'être relativement chargée, peut-être un peu moins que dans la première station des glaces, mais il y a du matériel. Ça veut dire des heures et des heures de filtration en perspective. Ah ouais, là c'est parti pour une journée de 14, 16 heures, je sais pas exactement. En plus là il y a eu un peu la remise en route, on n'a pas été très rapide ce matin. Donc je pense que ouais, ce soir peut-être minuit. Ensuite ces échantillons serviront à étudier quoi? Ça servira à étudier, à compter combien de phytoplancton il y a et à les identifier, à donner le groupe, le genre, l'espèce, à évaluer leur biomasse, combien de carbone ça représente dans l'océan. Et à comparer ces données avec les données génétiques de biodiversité. Enfin, dans le cycle du carbone, on s'en sert aussi pour évaluer combien de carbone de la forme CO2 de l'atmosphère y sont pompés. Le phytoplancton nous aide donc à alléger l'atmosphère de l'excès du CO2 anthropique qu'on émet. Alors on a besoin aussi de connaître combien il y en a pour évaluer combien de carbone il pompe. Et je crois que l'Arctique c'est une zone importante en termes de puits de carbone. Bon, oui, c'est un puits de carbone mais qui est en train de changer. C'est une des hypothèses qu'on essaye de tester ici, qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il est en train de pomper chaque année de moins en moins. Il arrive à saturation. Qu'il va arriver à saturation, ouais. D'ici quelques années, très peu d'années. Hein. On a déjà, depuis 2007, on a la concentration de CO2 qui augmente. Mais par contre, si le phytoplancton augmente, il va séquestrer plus, donc il va falloir évaluer la contre-pompe. Et donc ça entraîne une acidification de l'eau ou pas? Ben, ça c'est l'autre test que l'on va faire, puisqu'on a à bord de quoi mesurer le CO2 et le pH. Donc, une des hypothèses, c'est aussi l'acidification. Alors par contre, ici, il n'y a pas beaucoup de coquilles calcaires, hein, on ne va pas trouver a priori, parce que l'Arctique est déjà très acidifié. C'est une des régions de l'océan le plus acide.